Le quotidien des peuples noirs d'Afrique, des Caraïbes et de l'Amérique sont au centre de réflexion qui meuble la première édition du Festival International Reconnexion. À travers un retour aux sources, les festivaliers ont appris des connaissances inédites et des mécanismes pour lutter efficacement contre un courant occidental omniprésent. Les Africains, les Noirs, les Afro-descendants, d'où qu'ils viennent, où qu'ils soient, quelles que soient leurs orientations, quelles que soient leurs préoccupations, quelles que soient leurs réalités, se retrouvent et contribuent à restaurer la dignité africaine. Restaurer passe nécessairement par la réappropriation de notre identité culturelle qui trop longtemps a été bafouée. Il est vrai que le continent africain sort progressivement de la domination occidentale. Les risques que le continent noir bascule à nouveau dans la servitude d'une nouvelle forme de domination occidentale est réel. Demain n'est plus loin. La recolonisation va commencer si on s'amuse déjà au Cameroun et bientôt pas loin de toute l'Afrique centrale. Nous sommes en danger face aux autres dont l'enjeu c'est de nous broyer définitivement. Alors je vous invite à la reconnexion. Les premiers pas de la libération de l'Afrique sont perceptibles, bien que le processus pour tourner la page de cette domination occidentale est long. Ce processus est une occasion pour les peuples africains de s'instruire davantage afin de maîtriser toutes les sciences. Pardonnons-nous pendant ces périodes où nous prenons justement connaissance de qui nous sommes, de travailler, de nous informer, de nous instruire, de lire, de relire, de nous forger en fait, de muscler notre intelligence dans toutes les sciences. Ces messages ont été véhiculés lors des trois conférences, respectivement la conférence de presse du 16 juillet, la conférence du 18 et du 19 juillet et la soirée de gala respectivement au restaurant Mama Africa et à l'hôtel La Falaise de Bonandjan. Des thématiques ont été développées par Paul Ella, Bago Balthazar, Kerline Morisseau, Simon D, Gino Sitson et Mbombok Mbok Basson. À cette merveilleuse personne qu'on était hier et à cette prestigieuse personne que nous sommes devenus aujourd'hui. Quel que soit le sortilège de la vie, notre histoire deviendra rose un jour.